Bonjour à tous, c'est Benjito de retour sur la chaîne Benjito Sportscards pour notre série On ouvre un pack, donc la série qui vous permet de découvrir différents paquets de trading cards, de cartes de sport en tout genre, de stickers parfois, donc série qui vous permet donc de découvrir plein de choses sur la chaîne. Donc profitez-en d'ailleurs, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner en masse pour qu'on puisse profiter tous ensemble de toutes ces cartes. Donc sur la chaîne, aujourd'hui, ouverture d'un paquet de hockey sur glace. Il s'agit d'un paquet de 2002 Private Stock Titanium que voici, avec possibilité de récupérer des cartes rookies, voire même des cartes avec des maillots. Donc on va voir si on en trouve. Donc paquet de 2002. Donc c'était la marque Pacific à l'époque, marque qui n'existe plus. J'ai même des points, vous voyez, 20 points Pacific avec ce paquet. Voilà, on va découvrir ça. Donc une collection qui avait 184 cartes. Voilà, on va découvrir. On va découvrir ce qui s'y cache. Allez, c'est parti, 5 cartes dans le paquet. On espère avoir de belles petites pièces. C'est parti, on ouvre doucement et on commence. Alors, ça brille tout de suite avec une très belle Milan Nilica, donc les Thrashers d'Atlanta à l'époque. On trouve le logo Titanium en haut. Donc là, on voit derrière, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais on voit le masque derrière en fond, donc ça fait un petit côté holographique. À l'arrière de la carte avec le détail du joueur Thrashers d'Atlanta. Je me souvenais même plus de cette équipe Thrashers d'Atlanta. C'est drôle de les revoir. On continue avec une gardien Tom Barrasso, 3 fois sélectionné All-Star Game au moment de la carte. Donc non, 3 étoiles, pardon, sélection 3 étoiles. Parce que je vois que c'était un rookie à l'époque. Donc c'était le gardien des Hurricanes. Trois étoiles, ça doit être le 7. On continue. Todd White pour les Sénateurs d'Ottawa. On retrouve ce petit côté holographique avec la petite tête derrière. La suivante, Robert Lang, centre de Pittsburgh. Voilà, de Pittsburgh. Ensuite, on a une carte jersey, j'ai vu en dessous. Un Flyers, en plus, c'est très bien. Équipe que j'aime bien. Donc, il s'agit de Jiri Dorta. J'ai du mal à dire avec leur écriture, donc on sent bien le maillot, donc c'est bien le morceau de maillot. Voilà, un beau jersey dans un paquet, ça fait toujours plaisir. Et je sens un maillot aussi derrière, donc est-ce qu'on a un autre joueur derrière peut-être? Oui, double jersey pour cette carte, Marianne Ossa. Double jersey, game worn en plus, jersey, donc c'est très bien. Cette belle carte. Alors c'est très étonnant, elle est hyper fine. Donc, vous voyez qu'elle est hyper fine pour un double jersey, alors que de nos jours, quand on a des jerseys, elles sont vraiment très très épaisses les cartes. Donc c'est magnifique de tomber sur des cartes comme ça dans les paquets. Ça fait vraiment plaisir. Double jersey. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, il y a un morceau de maillot qui était incrusté dans la carte. Morceau de maillot du coup game worn, ce qui veut dire que le maillot a été porté en match par le joueur. Donc encore mieux. Voilà, pas numéroté par contre pour ces cartes. Bon les amis, pour cette ouverture, très belle ouverture du coup
Titanium, donc 2002, privé de stock. Voilà, Titanium. De la marque Pacific. Donc, très belle carte à vous procurer. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas. Bon, les amis, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut !